J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. On perd la tête. 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 Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur The Evil Within pour l'extension The Assignment. Donc on en était dans le petit bureau, n'est-ce pas, pour ramasser ce qui semble être une carte. Donc c'est parti, on ramasse. Carte magnétique de bureau. Cette carte magnétique appartenait à un membre du personnel de Mobius. Elle semble tachée de sang. En même temps, ils ont tous été découpés en morceaux. C'était RL se cacher. On se cache. Évidemment, on se cache. On a ramassé quelque chose. Hop. Donc là, elle défonce la porte. Coucou. Elle était là. Et là, elle nous dit bonjour. Et là, la femme au talon arrive et la dévore de manière tout à fait gracieuse, n'est-ce pas? Elle referme son abdomen. Elle nous fait coucou avec sa petite lampe. Qu'est-ce que tu regardais là-dedans? C'est nous. Voilà, donc là, il y a l'autre zombie qui lui a fait peur. Et du coup, ben, elle s'est enfuie. Voilà. Donc nous, on va sortir de là, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de rester caché pendant 5 plombes. Et donc vous, vous en doutez, nous savons parfaitement où nous devons aller. Ah! On a été repéré, c'est la merde! Où est le boyau? Où est le boyau? Il est là-dedans! Voilà, on rentre là-dedans. On sait où on doit aller, vous vous souvenez? Je vous ai montré les plans la dernière fois. On va récupérer notre énergie là-dedans. Là-dedans, nous sommes à l'abri. Ok, c'est bon, c'est calmé. Ça a l'air calmé, donc on va sortir. Et on va aller gentiment, sagement, par là. Avec notre carte d'accès, voilà. On utilise la carte. Et on est parti pour la réception. On reprend notre lampe torche, même si on n'y voit toujours rien, même avec la lampe torche. N'est-ce pas? Donc là, je ne peux plus courir, c'est fait exprès. C'est pour qu'on me dise bien, tu vois, tu es paumé et tu n'y vois rien. Là, c'est, je peux recourir. Hop. Donc là, on est dans la salle de réception. Ah oui, c'était compliqué. Je me souviens plus. J'avais galéré à mort. J'avais galéré à mort. Je sais plus où je m'étais caché. Donc là, on va essayer. Statut de l'agent licencié. Voilà. Autorisation non valide. Voilà, donc là c'est la merde. Licencié? Je pourrais peut-être forcer l'accès avec l'ordinateur. Donc là on va tester. Analyse des données. Et on est dans la merde. Voilà, vous reconnaissez cette lumière? Ok, elle nous a vu, c'est la merde. Ah, elle nous a bouffé. Voilà, je vous ai dit, je ne sais absolument plus où je m'étais cachée, donc... visiblement, ici, elle va voir. Je crois qu'elle peut pas voir derrière son dos. Étant donné que... derrière son dos, enfin, je crois qu'elle peut voir seulement là où elle met sa lumière. Donc c'est la merde. Je ne sais plus du tout comment j'avais fait. Déjà c'est sûr, fallait que j'éteigne ma lampe. Et ensuite je crois qu'il fallait... Bon là elle vient voir, c'est sûr, en même temps c'est là qu'on va se cacher forcément. Peut-être que si je vais me mettre là-bas... Et que j'attends qu'elle passe derrière, j'en ai aucune idée, j'en sais fiche trop rien, je m'étais mise. Bon écoutez, on va se mettre en plein milieu. En plein milieu un peu sur le côté.
Et on va essayer de voir où elle regarde avec sa lumière et on recommencera au pire et on se calera là où elle regarde pas. Je pourrais peut-être forcer l'accès avec l'ordinateur. Allez. C'est parti, on éteint la lampe. Au lieu de l'éteindre, je l'allume. Cherchez pas. Je vois rien. Elle est là. Ok, on reste bien derrière elle. On essaye de rester bien derrière elle. J'ai aucune idée d'où elle va se mettre. Où tu vas te mettre? Coucou. Dans quel sens tu vas te retourner? Oh, elle vérifie à gauche. Attention! Attention! Notre copain cache-cache. Ok, c'est bon. Évidemment, je n'ai plus le contrôle. Ne me dites pas qu'on voit rien. C'est juste qu'ils nous ont placé exprès comme ça. Donc, elle a fait apparaître une porte. Parce que magie, voilà. Cette chose, avec sa lumière. On a récupéré notre lumière à nous. Braquer la lampe torche. Donc là, vous voyez, on voit des petites étoiles. Un petit signe. Et puis, on voit un petit peu une porte. Une porte derrière. Donc du coup, nous, on va braquer la lumière dessus. Voilà. Pour nous servir de la magie de la lumière. Pour faire apparaître une porte. Voilà. Ça, je m'en souviens pas. De la boîte... Oh ! Ok, donc on a été téléporté encore. Par la magie du scénario de The Evil Within, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans le cerveau de... Je sais pas si qui, peut-être le nôtre. Activé, vous entendrez un son aigu. Ensuite, on ne pourra plus vous aider. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je peux seulement dire que ce sera perturbant. Mais Leslie sera à vos côtés. Vous devez le trouver. C'était tout à l'heure. Toi, trouver Leslie. Leslie, il est vraiment là? Oui, bah, il est sûrement là quelque part et toujours inattrapable, n'est-ce pas? Oh, bah c'est tout seul, c'est génial. On va commencer à être un peu prudent. Ah non, je crois que ça va là. Non, si, un peu quand même. C'est Leslie. Bon, il faut que je le rattrape avant qu'il se fasse attaquer. Ok, donc il est en bas. Hop. Point de contrôle encore, donc ça c'est bien. Et là on va avoir un point de sauvegarde. Donc on va dire bonjour aux petits chats, parce que ben, les petits chats c'est mignon, surtout quand ils ont un truc comme ça autour du cou. Alors on s'assoit pour lui faire un câlin. Voilà, c'est un post-câlin de l'extension. Hop, nouvel emplacement, on sauvegarde, c'est nickel, retour. Et là, on regarde attentivement. Vous voyez la même chose que moi? Un petit cadavre ambulant juste derrière notre tête. Hop. Donc là, on va se lever. Non. On va refaire un truc. Comment je me lève? Ouh. Avec les flèches. Ok. Ah, donc là, voilà. Donc là, on perd la vue sur le cadavre. Il n'est plus là! Il s'est enfui. Donc on va partir à la recherche du cadavre qui disparaît. Et je crois que c'est là qu'il va falloir qu'on commence à faire gaffe. La prochaine salle. Donc ça c'était juste pour nous faire peur en fait et vous faire sursauter. Ça n'a aucun impact. Alors. Puis sur l'espace de façon répétée. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Voilà, cette porte est ouverte et là on va enlever la lampe. De toute façon si vous voyez vraiment rien j'essaierai de vous mettre quelque chose. Donc là voilà vous voyez un petit zombie. Commence à s'en aller, donc nous on va le suivre. Et puis je crois qu'on va devoir aller se planquer. On va tenter de se planquer. Parce que je sais plus ce qu'il faut qu'on fasse. Ah bah il y a quelque chose là, on va voir ce qu'il y a. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je crois pas. Donc voilà, ça sert à rien. À part que c'est rigolo de se balader dans les canalisations. Bah là du coup on va inspecter parce que... Non c'est bon on peut sortir. Ok.
Donc là, va juste falloir galérer un peu parce que je me souviens que ce passage j'avais galéré. Point de contrôle là-bas, très bien. Là, il y a des trucs à faire, mais je me souviens plus de ce que c'est. Alors, je crois que d'abord qu'il faut aller là-bas. Ok, donc on va examiner ça. Si j'appelais ce téléphone! Pour appeler le téléphone, c'est tout là-bas, donc on va aller appeler le téléphone. Ah! On a eu chaud, on a eu chaud à la tête là. Comment j'appelle ce téléphone déjà? Ah oui, par là. Oui, il va me voir là. Ouh là là! Attention, restons discrètes. Oh bah t'appelles ça discrète toi, pas moi. Hein. Or je sais qu'il y a un moyen de se mettre à couvert, mais moi j'aime pas, je préfère contrôler ma caméra et donc me mettre à couvert à la bonne vieille méthode du à quatre pattes que vous connaissez très bien vu que je l'utilise à chaque fois. Ok, on appelle le numéro et on planque nos fesses à genre l'autre bout du truc, c'est à dire par là. Je crois qu'il y a un truc à ramasser quelque part. Ah, ah il m'a vu, mon dieu, ramassons ça. Carte magnétique qui donne accès à machin chose, machin truc. Et courons, courons, courons. Attendez. Vous vous souvenez qu'il y a un moyen de se planquer là-bas? Vas-y. Cours, ma jolie. Allez, vas-y, va là-dedans. Voilà, et on va se faire oublier tranquillement. Et avec cette carte, on va pouvoir essayer d'aller se planquer quelque part. Coucou, voilà, j'ai disparu dans la canalisation. Maintenant, va-t'en. Voilà, tu ne sais plus où je suis, je n'existe plus. Je suis un petit rat dans la canalisation. Va-t'en. Voilà, il s'en va, c'est parfait. On va pouvoir inspecter. Et justement, c'est la porte que garde ce type qu'il va falloir qu'on traverse. Donc ça va être vachement pratique. Bon, on va le laisser repartir, on va pas prendre de risque parce que celui-là, il me défonce la tête. Croyez-moi, j'ai essayé. C'est pas la peine. On peut pas le battre. Ok, c'est bon, on va dire qu'il est reparti. À partir du moment où il a changé de pièce, ça me paraît. Ok. Tiens, si j'appelais ce numéro encore, peut-être, ça pourrait être pas mal. Ok, moi je veux appeler le numéro sous le nez d'un zombie par contre. Alors attendez, comment on fait déjà pour... Ouais. Ok, ça y est, je crois que je me souviens de ma technique. On va laisser l'autre repartir totalement là-bas. On va appeler et on va faire le tour par la droite. En mode discret. Ok, vous avez confiance en moi parce que moi non. Par ici. Je ne me souviens pas si ça avait marché. Hein. Sachez-le. Go go go. Schnell. Ok, on est bon. On est bon, c'est bon. Cette fois c'est bon. On va essayer de passer par là. Tac tac tac. Voilà. Voilà. Pour ce passage, hein, sachez que j'ai mis 50 ans à vous le faire. Ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Et je n'ai jamais vu la suite parce que c'est toujours là que mon ordi surchauffait et s'éteignait lamentablement. Donc du coup, à partir de maintenant... N'oubliez jamais ça. Vous êtes l'une des nôtres. Nous sommes abandonnés à notre sort. Ok. Ok. Il y a deux trucs à lumière. Alors très bien, ce que je vous propose c'est qu'on fasse de la lumière à travers ça. Pour... Ça ne marche pas. On va faire avec l'autre. Peut-être que là ça marche. Non.
Peut-être que je dois le faire. D'accord. Ah bah on va être bien con si dès que j'ai pas fait les trucs, on est bloqué. Bon, attendez. Il y a un truc comme ça, c'est pas pour rien. Je peux pas déplacer ça pour... Bah pour moi, il faut se mettre au travers de ça pour faire... Ah oui? La marque, elle est incomplète. Oui, mais j'ai bien compris. J'essaye de la rendre complète avec cette ombre, mais... Je te remercie de me prendre pour une idiote. J'avais compris qu'elle était incomplète, mais elle est dessinée sur le mur. Alors, est-ce que... Ah si, j'étais bonne. Là, je suis bonne. Voilà. Ok, on est bon. Et bah voilà. On est bon. Alors, hop. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je sens qu'on n'est pas seul là-dedans? L'air est plus pesant ici. Il y a encore une marque. On va quand même vérifier qu'il n'y a rien à ramasser. Non, visiblement pas. Donc on va servir de la marque. Hein. Ok. Après des mois de secrets, de subterfuges et d'endoctrinement, ils m'ont accueilli parmi eux. Cet endroit est pour le moins élaboré. Malgré une apparence moderne, les recherches qui sont menées ici semblent dater du siècle dernier. Cet endroit a une histoire. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ce n'est qu'une de leurs nombreuses branches. Des institutions, de puissantes familles. Ils semblent avoir le bras long, ce qui pourrait être une mine de possibilités pour moi. Il est clair que mes méthodes uniques à Beacon ont piqué leur curiosité, et je suis très reconnaissant qu'ils m'offrent cette chance. En revanche, le travail de la plupart des chercheurs semble étonnamment archaïque pour notre époque. Ils m'ont dit que le budget n'est pas un problème, que seuls les résultats comptent. Je devrais pouvoir jongler entre mon travail ici et à l'hôpital, mais Ruben, il est de moindre importance. Mais il faut bien avouer que ses études sont remarquables pour son jeune âge. Il se peut même qu'un jour, il m'assiste dans mon travail ici. Ok, on apprend un peu plus sur le pourquoi du comment. Oh. Je ne suis pas là pour négocier, Dr Jiménez. Nous sommes censés trouver une solution, d'où le financement de cet établissement. J'en suis bien conscient. Et je vous remercie de m'avoir donné du temps. Ce temps est limité. Et il ne vous en reste presque plus. Si vous ne nous êtes plus utiles, nous vous trouverons un remplaçant plus efficace. Ne nous précipitons pas. J'ai fait des tests avec notre diagnostic visuel. Et il y a quelque chose dont je dois vous parler. Je vous en prie, venez avec moi. Le projecteur est dans l'autre pièce. Oh! Ah, c'est trop bien ça! Ah, c'est super cool, ça nous ouvre la suite. Là, on est vraiment dans son laboratoire. Qu'est-ce qu'on est censé découvrir? Oh, vous voyez ce que je vois? C'était Ruvik, hein? Je rêve pas! Bon, là, il n'y a rien à ramasser. Se mettre à couvert. J'ai pas envie tout de suite. Est-ce que j'ai des raisons de me mettre à couvert? C'est le bruit de la marque encore. Attendez, on va vérifier qu'il n'y a rien dans la pièce avant. Non, il n'y a rien à ramasser. Ok, bon, c'est parti. Un projecteur.
très bien. Oh! D'après mon hypothèse, nos échecs sont dus au fait que... Rorschach? Nous n'avons utilisé que des stimuli visuels et sonores, une influence passive. Cette méthode est rejetée systématiquement. Même par mes patients aux capacités mentales limitées. Si nous voulons accomplir notre objectif, nous devons refaire le point. Il nous faut un accès direct. Et que suggérez-vous? C'est ça l'accès direct. C'est, comment dire, une sorte de projet personnel. Une technique mécanochimique. Avec ça, nous devrions avoir une influence directe sur l'individu. Peut-être même un accès à son subconscient. Les données sont dans l'autre pièce, vous allez voir. Quelle autre cette pièce? Vidéo, je me rappelle qu'on me l'a montré quand je suis arrivée ici. Je suis impatient moi aussi en fait. Hein. Je suis complètement qu'impatient. On se sert de moi. Ça a dû m'ouvrir une pièce. Ouais. Génial. J'adore. Il y a le bruit de la marque encore. Il y en a une là. Mais je vais d'abord vérifier tout. Ah! Il y en a une là aussi. Mon dieu, mais il y en a deux. Ouais, attendez, c'est un cadavre là, ok. On va aller dans la première pièce, s'occuper de celle-ci d'abord. Un plan. Modius. C'est la machine qu'on avait vue à la fin du jeu principal. On va aller faire celle-ci. Ça, c'est la position de la personne à l'intérieur du stem, c'est ça. Putain. Je peux passer là, vous croyez ou... Ok, je vais peut-être louper quelque chose du coup. Là, il y a un bruit de marque aussi. Ah, elle est là. Encore la machine. Ces recherches, c'est exactement ce que nous voulions. Je l'appelle STEM. Je suis persuadé que vous et vos supérieurs en serez totalement satisfaits. Vous avez dit qu'il avait été conçu par l'un de vos élèves. Oh. Si c'est le cas, quel est votre rôle? C'est un individu instable. Je crois qu'il vaut mieux que je reste votre contact, étant donné les circonstances. J'aimerais rencontrer cet homme. Je suis sûr qu'on pourra avoir une discussion très productive. Ruben. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ruben. Ruben Victoriano. Ok. Pourquoi j'ai peur? Quelque chose de défoncé. Non, ça y est, ça rentre. Ok, on m'a fait peur, mais y a rien en fait. Bon, écoutez, on va porter nos couilles et on y va. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là encore? Oh là 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 là!
je sais pas où ça nous mène ça, mais je crois qu'on va passer par là plutôt. Et on se laissera au prochain point de contrôle. Ça va faire 25 minutes. Ok. Je reconnais pas cet endroit, mais il y a encore des escalators. Est-ce que vous croyez que... Non, ça ressemble pas aux escalators du début. Ok, point de contrôle. Du coup, nous allons nous laisser ici et nous ferons la suite la prochaine fois. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien, à bientôt !